Ce vendredi 10 décembre, C8 consacre sa soirée au Chevalier du Fiel avec une émission dans laquelle Éric Carrière et Francis Ginibre reviennent avec beaucoup d'humour sur l'année 2021. Pour l'occasion, Closer vous propose d'en savoir plus sur la vie privée des deux humoristes toulousains et notamment de découvrir qui est Clara, la fille de Francis Ginibre. Comme son illustre père, Clara Ginibre a tenté sa chance sur les planches. La jeune fille a commencé le théâtre au collège puis a joué en 2016, dans sa première pièce L'étudiante et Monsieur Henri, d'Yvan Calberac, dans laquelle elle interprétait Constance, une jeune étudiante en situation d'échec qui loue une chambre dans l'appartement d'un vieux bougon méprisant. Papa m'emmenait souvent en tournée quand nous n'allions pas le rejoindre avec maman. J'ai été trimballé de droite à gauche pendant toute mon enfance. Je me sens bien dans un théâtre. Si est-ce qui mon milieu, j'adorais le voir sur scène. Comme toutes les petites filles, mon papa c'était mon héros. Je le regardais se faire acclamer. J'étais fier pour lui. Pendant les répétitions, je voulais toujours être sur scène avec eux, confiait-elle, en 2016, à la Dépêche du Midi. Aujourd'hui, Clara Ginibre, semble-t-il, mit le théâtre de côté et s'est lancée dans l'immobilier. Elle réside toujours dans la ville rose si chère à son père. Francis Ginibre et Éric Carrière en couple depuis plusieurs années comme son ami, Éric Carrière est, lui aussi, papa d'une petite fille, Lou. Les deux humoristes toulousains sont d'ailleurs en couple depuis plusieurs années comme l'expliquait Francis Ginibre en 2015, ce n'est pas facile de vivre avec deux grosses personnalités, qui évoluent dans un métier où les tentations sont fortes. Mais on n'a pas changé de compagne depuis nos débuts. Loading Eject.